Encore une fois, Lionel Messi est menacé pour quitter l'équipe FC Barcelone en juin 2021 qui parle vini là. Nous avons Antoine Griezmann lui-même qui mandé pour parler avec l'entraîneur personnellement et bien ça fait un pile parler en Espagne. Nous avons polémique Valalien qui passe souvent fait parler de lui surtout le journal pour Catalan qui mettait que Dani Carvajal était fait en faute dans le match de Madrid que pas à Lille. Nous avons un pile goal qui fait dans le pays Angleterre surtout Manchester City qui crase Liverpool 4-0 et Tottenham qui perdit 3-0. Mes amis, nous avons venu avec goal ça pour suivre vidéo ça jusqu'à la fin pour que vous été connecté avec toutes les informations qui a passé dans le monde football à toute actualité et surtout tout goal qui était fait pendant le match qui a joué. Bonjour tout le monde, bienvenue dans la vidéo aujourd'hui. Nous parlons de Mère Jean-Albert. Pas oublier, nous venons de tout ça qui a dominé l'actualité football là, en Espagne, en Europe, etc. Donc, dans tout le monde, net, nous parlons de connecté avec ça qui a dominé l'actualité football là. Pas oublier, si vous avez aimé le travail nous à faire ou aimé la vidéo nous porter pour mettre un like en bas, ça vraiment encourage nous à porter plus de vidéos pour vous. Et si vous venez ensemble avec nous, cliquez sur le bouton j'ai la vidéo pour abonner et activer la notification pour que vous recevez chaque jour l'actualité football là, ou du moins sur deux comptes de joueurs football. Kounia, on a ça qui a dominé l'actualité football là. On commence la vidéo dans le pays d'Angleterre avec Daily Mirror qui mettait à la une Manchester City 4-0 Liverpool. Et bien, ils ont vraiment saoulé là, donc Hangover 4. Donc, ils ont saoulé, ils ont saoulé parce qu'ils ont pris 4 goals à 0, mes amis, dans la carrière Manchester City. Ça qui fait que Daily Mirror les mettait à la une, c'est une défaite qui va tête faire mal pour l'équipe Liverpool là. Donc, là, nous connaissons que fait sacré champion. Et puis, qu'on y a là pour Manchester City passer 4 goals à 0, donc une défaite qui vraiment l'aide. T'as l'air qu'on s'en venir avec Golio pour qui était fait dans le match là. Et bon, on te parle toujours dans le pays Angleterre, mais Daily Star les mettait à la une, les monsters ont même saoulé là. Donc, ça qui fait qu'ils prennent un mauvais 4-0 face à l'équipe Manchester City là. Même je pense qu'il mettait à la une des déclarations de José Mourinho lui-même après match avec Tottenham, il a dit 3 goals à 1 face à l'équipe Sheffield United là. Monsieur qui fait qu'on est que Aimé Valalien lui vini pour craser les joueurs là dans le pays Angleterre suite avec un premier goal là qui était égalisé, mes amis, que Valalien mettait vraiment annulé là suite de fait qu'on est que Aimé et Lucas Moura était prendre un ballon. Hein. Il m'a fait un pile parler, un pile là côté, monsieur fait qu'on est que Aimé t'a semblé que Valalien plus décision souterrain que même habite là, mes amis. Donc il fait qu'on est que habite là, pas de pouvoir sous match là encore. Il m'a fait un pile parler, un pile là, venir avec goal de bout, t'as comme ça. Et bon, quand t'es parlé de Times, t'es parlé de Mercato, quand t'es que Arteta lui-même a préparé là pour faire un bon Mercato pour l'équipe Arsenal là qui vraiment pas bien marché dans le championnat. Quand t'es que l'État vraiment fixé là, Thomas Partey qui a joué dans l'équipe Atletico de Madrid là et pourquoi pas, ou pas Mécano lui-même qui a évolué dans l'équipe Ebelezig là. Et nous avons encore Dominique lui-même qui c'est au milieu de terrain qui a évolué dans l'équipe Salzbourg là. Donc tous ces joueurs ça que l'État vraiment fixé là pour t'as prendre, pour t'as refaire l'équipe Arsenal là, disons. Donc mettez une équipe compétitive en Europe. Et bien mes amis, comment ça te pour l'équipe Manchester City Liverpool là, nous avons Kevin De Bruyne à 25e minute de jeu qui mettait le premier goal en attente sous pénalité. Et nous avons encore à 35e minute de jeu Raheem Sterling qui mettait le premier goal par là en attente, mes amis. Donc c'était 2-0 pour l'équipe Manchester City là. Et nous avons encore à la 45e minute de jeu Foden qui mettait le goal par là en attente. Donc c'était 3-0 pour l'équipe Manchester City là. Et bien à la 66e minute de jeu, Oxlade Chamberlain qui mettait un goal contre Campali. Et ça sera plus grave de jeu parce que nous avons à la 95e minute de jeu Riyad Mahrez qui mettait un goal en attente que par la suite Vala t'a retiré. Donc à 2 peu, c'était capable de 5-0 pour l'équipe Manchester City là face à Liverpool. Bon, on te parle équipe Tottenham qui tombe face à Sheffield United. Nous avons un Belge qui a ouvert score à la 31e minute de jeu avec une belle frappe. Et bien à la 34e minute de jeu, Harry Kane qui t'a égalisé, mais par la suite, Vala t'a annulé le goal là. Ça qui fait José Mourinho parler en pile, mes amis. Et nous avons à la 69e minute de jeu, Moussel qui t'a inscrit deuxième goal là pour l'équipe Sheffield United là. Et nous avons à la 84e minute de jeu, Mark Burney lui-même qui t'a mis troisième goal là, donc 3-0. Et nous avons Harry Kane lui-même à la 90e minute de jeu qui t'a réduit Mark là. Donc c'était 3-1 que le match a été fini. Donc, quitte le pays Angleterre, nous parlons dans le pays la France avec le journal L'équipe qui mettait à la une le Real s'envole, Benzema risque un procès. Donc, on a fait sextape entre Valbuena avec Benzema, il a fait un pile parler en pile, surtout depuis longtemps, il a fait un pile parler en pile. Mais, fois ça, t'as semblé que mais, la justice même mettait bouche dans la cause à l'avocat, bah, un procès à Karim Benzema. T'as semblé que Benzema, il a demandé Valbuena pour te payer quelqu'un monde qui t'a fait le chantage, suite avec une vidéo qui était fuité sur Internet là. Donc, on a vraiment suivi de près, mes amis, Benzema, lui-même qui risque là, pour ouvrir un procès contre lui selon le journal ça. Donc, quitte le pays la France, tout parle dans le pays l'Italie avec le Corriere dello Sport qui mettait à la une tout au sous Messi. Mais définitivement, nous connaissons que la DA lui-même qui s'est Atalanta Bergamo, il a craché du fait dans le championnat ça.
Donc lui-même qui crase l'équipe Napoli à 2-0 hier mes amis. Donc c'est vraiment un pile goal que l'équipe Atalanta qui est marqué dans le championnat. Donc lui-même qui a fait toute route là pour chercher l'Europa League, nous avons dit la Ligue des Champions. Donc il a pas cherché une qualification en Europe, mais définitivement éliminé un adversaire direct qui c'est Napoli lui-même dans la course à l'Europe. Bon, on départ le journal Tuto Sport, on est venu avec chiffre, mes amis, c'est 99 goals que l'équipe Atalanta Liem qui est marqué dans la Serie A. Équipe Saliem qui a préparé là pour faire peur en Europe. Le journal ça qui mettait à la une chaque fois plus Juventus. Côté Juventus Liem qui est la vieille dame qui a semblé la rajeunie équipe Lia. Donc on est libre plusieurs jeunes joueurs, comme Arthur qui a 23 ans sous tête et pourquoi pas Matisse Dila qui a 20 ans seulement. Donc mes amis, c'est vraiment une belle nouvelle là. Nous connaissons que Juventus de Turin aime que la vieille dame, mais t'as semblé que le pape vieillit. Et dans l'équipe Saturne, il y a Bentancur qui a 23 ans et pourquoi pas Kulusevski lui-même qui a 20 ans seulement. Et joue ça qui est titulaire dans l'équipe ça et surtout pour Arthur là lui-même pour qu'il rajeunit l'équipe là. Et bien mes amis, comment ça va pour l'équipe Napoli avec Atalanta? Nous avons passé à Lichem qui a marqué le premier goal à 47e minute de jeu. Et nous avons à 55e minute de jeu, Gossens qui a pris le temps pour mettre un bombe dans le camp. Donc c'était 2-0 pour l'équipe Atalanta face à l'équipe Napoli. Donc qui était pays Italie, nous parlons dans le pays l'Espagne, côté qui est en pile parler en pile, surtout avec ce Griezmann dans la même journée sport, qui mettait à la une. Je dis à Griezmann même qui demande des explications. Côté qui est seul à lui-même, qui c'est mode et qui c'est agent, Antoine Griezmann, il a demandé pour qu'il fasse une réunion pressée avec l'équipe FC Barcelone, surtout avec board équipe Barcelone, là, pour qu'on ait pour qui ça côté mettre Griezmann dans la dernière minute. Et pour qu'on ait qui plan pour le futur de Griezmann. Donc, quand même, joueur à lui-même, tout, il a même demandé pour qu'il réunir avec entraîneur Kike Setién pour qu'il parle avec lui face à face. Pour qu'il parle avec lui pour montrer le mécontentement parce qu'il a quitté le sous-banc pour pas avoir le temps de jouer, mes amis. Donc, quand même, il a vraiment pas fait un pile parler un pile dans l'équipe FC Barcelone là, puisque Antoine Griezmann, personnellement, il a demandé pour réunir avec Kike Setién pour parler avec lui. Et seul, il y a tout qui c'est agent, il a demandé là pour une réunion pressée avec l'équipe Barcelone là. Donc, il y a un dossier qui a fait un pile parler un pile que nous avons suivi de très près, mais quand même, Antoine Griezmann lui-même là, donc qui pas dans une situation qui est confortable dans l'équipe FC Barcelone. Et bon, côté par le journal Mundo Deportivo lui-même qui vient avec plusieurs nouvelles qui a réconforté Antoine Griezmann. Il fait qu'on est que Griezmann lui-même sentit vraiment fort là avec appui, équipe là à Bali, surtout tout joueur là a appuyé Griezmann dans la mauvaise situation qu'il y a. Donc il fait qu'on est que c'est plus de peur que de mal. Et bien bon côté parler et mes journal ça lui-même qui même fait qu'on est que Griezmann n'a pas une mauvaise statistique que ça dans l'équipe Barcelone puisque Neymar était venu dans la première saison là mais Griezmann n'a qui manqué un seul goal seulement pour qu'il marque valeur goal que Neymar lui-même était marqué là. Une statistique pour calmer jouer là mes amis et ou même qui sont pensés de ça. Est-ce que vous pensez que Griezmann lui-même lui a une bonne statistique dans l'équipe FC Barcelone puisque nous connaissons Griezmann il a joué en Espagne longtemps ça donc Neymar lui-même était fait débarquer. Mettez opinion pour nous en commentaire. Et bien, nous avons ça qui mettait à la une scandale, mes amis, suite avec une pénalité que Cavalli a mis sur attaquant Getafe qui n'a pas sifflé. Donc, c'est vraiment un pile parler, un pile, mes amis. Donc, voilà qui n'a pas entré en action. Et pour nous retourner avec Jonas Sport, qui mettait à la une que Real de Madrid a gagné encore une fois avec une autre pénalité. Donc, il y a un bagage qui vraiment a fait un pile parler, un pile dans le pays d'Espagne. Et bon, côté par le journal Marca qui mettait à la une lancé jusqu'au titre. Il fait qu'on est que Real de Madrid qui fait une victoire dans la souffrance hier jusqu'à ce que les unions ont pénalité, mes amis, à la 79e minute de jeu, on a venu avec Golsa pour tout aller comme ça. Donc, on a compris 7 joueurs à Mosnem, il était marqué. Et bon, côté par le journal As, il mettait à la une dans la pointe des droits. Côté que il fait qu'on est que Real de Madrid lui ouvre un avantage de 4 points sur FC Barcelone à 5 journées de la fin de championnat, mes amis. Donc, il y a un goal que Ramos était marqué à la 79e minute de jeu, un match qui était vraiment souffri. Mais définitivement, Real de Madrid prend une belle option pour prendre titre Liga. Est-ce que vous pensez que Real de Madrid est champion Liga, mes amis? Mettez opinion pour nous en commentaire. Et est-ce que vous pensez que la gagne 5 matchs qui étaient? Mettez opinion pour nous en commentaire. Et bien, même gens qui mettait une nouvelle qui a fait gros frappe en Espagne, c'est que Messi lui-même a commencé à repenser Fitulina FC Barcelone. Donc, un monsieur là qui gagne un contrat qui a fini en 2021, juin 2021, là, il peut que j'aime le renouveler avec l'équipe ça. Et bien, une nouvelle qui a fait un pile parler en pile, puisque le journal a écrit que Messi lui-même là, donc, il est soulevé pour le sortir de l'équipe FC Barcelone. Donc, l'idée Messi qui a en tête, il est là, c'est pour le terminer le contrat jusqu'en 2021 et pour le abandonner le club FC Barcelone selon le journal ça. Et bien, journal ça qui sorti, mes amis, dans la radio, qui est le cadenasser dans le pays l'Espagne. Et bien, t'as semblé que l'il fait qu'on aime Messi lui-même là, il parle de dans Barcelone encore. Donc, jusqu'à 2021, là, donc la fin de saison 2021 ensemble avec lui. Donc, disons 2020-2021 pour quitter le club, ça, mes amis, le contrat est fini. Donc, jusqu'à maintenant, il peut qu'on renouveler avec l'équipe FC Barcelone. Il n'est vraiment pas content de sa direction à faire et plein football que gagne. Il n'est pas content, mes amis. Donc, l'IM qui a cherché pour quitter le club là en 2021. Donc, il y a une nouvelle qui a saccagé l'équipe FC Barcelone déjà qui est en pleine crise avec dossier Antoine Griezmann là, et surtout dossier Kike Setién qui a quitté le club, ça. Et bien, mes amis, j'en étais pas, mes amis, à la 79e minute de jeu. Donc, il y a un goal qui baille victoire avec Real de Madrid qui fait ouvrir un avantage de 4 points sur FC Barcelone.
Juste avant de m'aller quitter nous, remercier chaque monde qui a regardé la vidéo, ça arrive jusqu'à la fin. Pas oublier mes amis, allez dans le premier commentaire qui est en bas de la vidéo, là, une page Facebook, nous allons suivre, nous allons vous rester branché avec ça qui a dominé l'actualité football là. Et si vous voulez faire ça, mettez un like en bas de la vidéo juste avant. Allez, pas oublier mes amis, sur vous ensemble avec nous, cliquez sur le bouton rouge dans la vidéo là, pour vous abonner et activer la notification. C'est la seule façon pour encourager nous et surtout partager la vidéo au maximum que vous capable. Quand vous avez la prochaine vidéo, que vous avez venu, pas oublier mes amis football là, pour passer toute bagarre ça passer, sinon nous avons préparez-nous pour le retour de Jésus-Christ, c'est un bagarre qui est essentiel.